Yo tout le monde, c'est un Craftable, j'espère que vous allez bien goûter. Moi c'est Super, on se retrouve pour une vidéo de Minecraft Survie Défi, épisode 5 je crois. Hier, la dernière fois, on avait trouvé la lave et on avait fait le déménagement dans cette petite jolie petite maison que vous voyez au loin. Et ici, ce sera une cabane et tout. Aujourd'hui, on va réaliser un défi. On va aller dans le nether, des choses, du coup on a les 15 diamants que j'ai même pas utilisé et qu'on va les utiliser tout de suite. Et si la vidéo t'aura plu, tu n'auras qu'à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager et à commenter. Bon visionnage. Bon bah je vais vous dire go et du coup on va aller chercher on va aller voir moi. On va aller voir la table de craft là-bas parce qu'on va aller voir un peu ce qu'on va avoir. Dans le premier épisode, nous avons la dernière gaming qui avait dit tu es un ghast. Du coup, on va pouvoir aller dessus puisqu'on a fait le portail grâce à la lave la dernière fois. Dans les survies, j'ai jamais construit une maison moderne. Donc, franchement, j'ai jamais pensé. J'allais dans le Nether, mais je faisais jamais une maison moderne. Franchement, c'est la chose que j'ai jamais fait. Donc, je suis allé en créatif voir ce qu'il y avait autour du portail parce que écoutez, j'ai pas du tout triché, hein, j'ai rien du tout dans mon inventaire, mais je voulais regarder quand même parce que si on se prenait sur une plateforme en plein milieu de la lave, l'épisode n'aurait pas été diffusé. Et du coup, nous allons chercher. Donc, je vous promets, j'ai rien volé du tout. Enfin, j'ai juste ce que j'avais pris tout à l'heure. L'épée, la pioche et un peu de bouffe. J'ai pris toute ma bouffe, mais voilà, hein, c'est bon. On va pas la manger tout de suite parce que sinon, voilà. Du coup, on va essayer de réussir le défi de laser, je sais plus quoi, désolé. Parce qu'il y a des laser gaming et laser... Game, je pense que c'est Laser Gaming qui m'a dit lol défi tu un ghast. Du coup on va essayer de trouver un petit ghast de lui. Oula, on s'est tiré dessus, c'est normal. Par là bas Non. Donc les amis, je suis allé chercher dans mon coffre mon arc. Vous allez... Oh le cri est juste insupportable. Il y a les gars qui crient autour, ça te fait flipper. Oh là là, mais vas-y, ils vont te sauter à la tête et tout. J'ai pas envie qu'ils me fassent ça moi. Bon, on est quand même venu dans le Nether. Le Nether, c'est l'enfer. Hein. C'est pas le monde. C'est pas la belle vie dans le Nether. Hein. Donc on prend quand même le quartz. Hein, c'est le but. C'est pas non plus le but principal, mais ce serait quand même bien de trouver un ghast. Et de pouvoir choper.
Oh, des petits magma cubes là en bas. J'ai pas envie, trop envie d'aller frotter leurs fesses. Parce qu'ils vont m'embêter après. Bon, ben moi je trouve pas grand chose. Bon, re, je suis allé chercher un peu de quartz du Nether pour pouvoir me faire quelques blocs de quartz une fois qu'on sera remettre dans le monde réel. Du coup, j'ai... Oh, ouais, il y en avait plein ici. En fait, si tu veux, il y a le portail juste là. Le mec galère en allant dans un chemin super loin alors qu'il y en a beaucoup juste à côté. Mais bon, ça va. Ça va. Bon, on rentre... Allez, on rentre. Ouais, là, là, là. C'est quand je m'étais mis en survie. Tout ça, les mecs, franchement, c'est quand je m'étais mis en créatif. Puis en survie. Quand j'ai fait l'intro. En fait, si vous voulez, et c'est pas du tout que je triche, hein, franchement. Je vous promets, je triche pas. Franchement, tout à l'heure, je galérais à faire l'intro. J'arrivais pas à parler, du coup, je devais recommencer l'épisode. C'était n'importe quoi. Du coup, il y a plein eu de survie créative. Oh là là. Du coup, c'était n'importe quoi, les mecs. Ah, pardon, je dois faire quelque chose dans quelques minutes. Je le ferai dans quelques minutes, du coup. Voilà. Tout ça, c'était les fois où je m'étais complètement trompée. Ou je faisais n'importe quoi. J'ai rien fait, hein, franchement. Je vous promets que je triche pas, franchement. Un mec qui triche dans la survie, c'est vraiment quelqu'un qui est bête. Hein. Parce que ça sert à rien du tout de tout se guiver, hein, franchement. Hop là. Du coup, on va rentrer chez nous, je crois, ouais. Là-bas. Du coup, j'ai... Hors caméra, pendant ces jours, je suis allé... J'ai réussi à tuer 3 araignées et avoir... J'ai tué beaucoup d'araignées et j'ai pu me faire un arc. Hein, écoutez. Et du coup... Et maintenant, on s'est fait des blocs de quartz. Que 16! Franchement, avec un stack 16. C'est pas beaucoup, mais bon. Mais bon, c'est mieux que rien. Bon, on aura du quartz, hein, c'est bon. C'est pas mal, ça va, on sera allé dans on va reposer ça. Non, du coup je vais, hop là, 32, je prends la moitié, la roche je la mets là, j'ai même pas besoin de casser beaucoup de roche du Nether en fait. Du coup, j'ai pas réussi à tuer de ghast malheureusement, donc désolé laser, j'ai pas réussi à faire ton défi, mais ça aurait été bien. On aura visité le Nether, on aura vu où on est apparu et tout. Bon, je vous propose qu'on, je sais pas ce qu'on va faire en fait. Je pense que sur vie des filles, on aura découvert le Nether. Je pense que c'est déjà bien. On aura vu où on apparaissait et tout. Comme ça, on saura où est notre point d'apparition dans le Nether. Comme ça, on l'aura découvert. Parce que moi, j'ai fait le portail. J'ai quitté le monde et puis j'ai fait quelques hors caméra. Je suis même pas allé du tout dans le Nether hors caméra, les mecs. Hein. À part quand j'ai fait une petite ellipse pendant la vidéo. Pendant la vidéo à ce moment-là. Du coup, c'est ce que je vous dis. Croyez-moi. Bon, tout à l'heure, je vais faire un live. Ouais. Vous attendiez beaucoup la survie des filles. Franchement, ça me fait vraiment plaisir que dans les lives, vous disiez, mais c'est quand la survie des filles? C'est quand l'épisode 5? Eh bien, il est arrivé votre épisode 5. Hein, il est arrivé. Et en ce moment, Alexandre, là, il devient pénible. Du coup, franchement, un tonnerre de franchement il est pénible, un tonnerre de pouces rouges aux vidéos d'Alexandre et aux commentaires d'Alexandre. Ouais, ce serait super marrant ça.
Hop là. Du coup. Bon, on aura visité le Nether. Moi, je sais. On aura vu à quoi il ressemblait. Donc, voilà un peu. Et. Dans le... on a même pas. J'ai cherché la canne à sucre au début de l'épisode. J'ai même pas fait en plus. Hop là. Hop, oh, purée. Oula, Tom, fais attention. Hop, hop là. Ouais, on a beaucoup de canne à sucre, ça va, c'est bien, c'est bien. C'est bien la canne à sucre. Et si possible, vendredi, là ou demain, ou quelqu'un, si mes potes sur un des trois potes sur Skype sont connectés, je pourrais peut-être faire une vidéo avec vous. Moi, ça me dérange pas du tout sur Multiplayer Master. Si c'est Mondarok par exemple. Mondarok, c'est Roxym, hein, que vous avez vu dans le live hier, par exemple. Ou alors, d'autres personnes. Du coup, on va aller... faut vraiment une table de craft dans cet endroit, parce que à chaque fois que t'es loin de la maison... vraiment une table de craft, quoi. Je vais les couper un tout petit peu de bois, je vais me faire une table de craft. Et là, on sera pas embêté. Mais si, faites pas attention, il y a eu un creeper qui a pété. En survie. J'étais en survie. Hop là, faut vraiment que je le mette dans la maison, les tableaux. Ah non, pas là, Tom, pas là. Mais j'ai pas du tout envie de le mettre dans la maison, mais en fait, j'aimerais bien le mettre en plein milieu. C'est là que je commence les épisodes. Du coup, voilà quoi. Pour les livres, attendez. Ah oui, il faut un cuir. Il n'y aura pas une vache. Pas une vache. On va aller visiter. On va aller voir dans l'île. Bon, on a un cochon. On trouve une petite ellipse. Là, c'est bon. C'est bon. J'ai fait la petite ellipse. Ouais, 2 cuirs. 4 cuirs. Oh, dis donc, moi, ça en donne du cuir, une vache. Hein. Oh, il y a une deuxième vache. Oh, 6 cuirs. Elles sont tellement gentilles. Dire que dans une autre survie, où j'étais sur PE, les petites vaches me donnaient juste 1 ou 0 cuir, en fait. Là, je me donne 2-4 cuirs, quand même. Hein. C'est quand même une petite différence entre les deux survies. On peut se faire... des bouquins. Je cherche pas du tout à faire une armure. Moi, je vais me faire une carte vide. Et une carte. Et là, on a la petite carte de l'île. Ah, écoutez, on aura la carte de l'île. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien, on aura la carte. Regardez, alors, nous sommes bien sur une île. Je le confirme. Je le confirme qu'on est bien sur une île. Donc on a notre grande maison, on a les petites ruines. Là-bas, où il y a complètement n'importe quoi, ça se voit. Ouais, on est bien sur... Mais on est sur une grande île, on a de la chance. On aurait pu tomber sur une toute petite île où il y aurait quasiment pas d'arbres. Là, on est tombé sur une grande île qui pourrait même un jour devenir une ville. Donc, parce qu'elle est tellement grande, cette île. Bon, tu peux bien transformer une petite ville en... une petite île en une ville, mais tu vas galérer, hein. Alors que là, elle est super grande, du coup, t'as juste à tout mettre un tout petit peu plat, et après, tu peux faire toute ta petite ville. C'est super sympathique. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, un petit like, à vous abonner, à partager et à commenter. En tout cas, j'espère que ce live vous aura plu à tous. Et pas à Alexandre, parce que franchement, il est vraiment pénible en ce moment. Je vous dis un maximum de pouces rouges pour Alexandre, qui arrête pas de nous embêter. Et on finit par tomber dans...